Bonjour camarades, bienvenue aujourd'hui sur Call of Duty 2 pour la suite de l'aventure. Très heureux de vous retrouver, on termine aujourd'hui la campagne britannique. Il ne nous reste que deux niveaux et après ce sera le jour J, le débarquement. Je sais que vous l'attendez impatiemment. Allez, le tigre, emparez-vous de l'hôtel de ville, de l'église, du bureau de poste et du QG de campagne allemand dans le village de Saint-Louvet. On joue bien sûr toujours en seconde classe. 12 juin 1944, 13h20, près de Saint-Louvet, France, pluie, 20 degrés. Après le regroupement avec nos chars au croisement, nous n'avons cessé d'avoir des problèmes et notre progression a été lente. Lucky Lucy, est tombé en panne, bloquant la colonne pendant plus de 2 heures. C'est un miracle que nous n'ayons pas été attaqués. La prochaine ville, Saint-Louvet, n'est qu'à 25 km, à l'est de Caen. Si l'on se fie à notre expérience en matière d'approche d'objectif, le contact avec les meilleures unités de l'ennemi devient de plus en plus inévitable. Sergent John Davis, 7e division blindée. L'œil du tigre, l'œil du tigre. Eh ben on a plein d'objectifs. Ah oui, effectivement, E, D, C, c'est blindé. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la Sten, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et on a le Lee Enfield. Bon, c'est classique, c'est vrai que ça fait plusieurs vidéos qu'on est avec ces armes. Et franchement, elles vont très très bien. Est-ce que tu penses qu'on doit aller dans cette direction? Et si jamais le canon nous vise, comment on doit réagir? J'ai quelques doutes là, tu vois. Oh, attends, il y a du monde partout. Salut! T'es mort. Je pense qu'on va rester planqué en fait. Hein. Ah mais attends, peut-être que j'ai avancé, mais... Ah ouais, je pense que c'était pas ici qu'il fallait venir. Ah voilà, non parce que c'est pas possible, tu peux pas te battre en duel face à un char, hein. c'est un petit peu compliqué. Et oh, là-haut, tu l'as vu. Il est mort, nice. C'est bon? Non. Ici, à la fenêtre. Je sais pas ce qu'on a vu, mais je m'en fous, je fonce. Let's go. Gros bourrinos de retour. Salut. Il m'a fait peur. Il est arrivé derrière moi, il m'a fait flipper, c'est bon. Ici. Attaque-moi, excuse. Annonce-toi, voyons. Y'a personne qui prend un bain? Nickel. De ce côté. Oula. Il est mort. Je regarde un petit peu de tous les côtés. Dans la maison en face, je ne vois rien. J'ai juste vu une petite MG en haut. C'est inquiétant. Bon, on pourrait éventuellement s'en servir aussi. Hein. Ça peut être intéressant également. Infanterie allemande, bah je me doute, hein, on n'est pas tout seul. Hein. Sinon, y'aurait pas de jeu. Ok, là-haut. Je vois. Ok. Là-haut, tu l'as vu, il bouge. Petit salaud. Allez, ça dégage. Petite grenade à l'intérieur. Cadeau de la maison. Hop là, et que ça saute. Il y a quelqu'un ici. Il est planqué, puis en plus, ça peut être à la fenêtre dans la maison. Je monte là-haut, je vérifie. Une grenade, je l'ai vu la lancer. Wata, wata, wata. 3KTP baboon. Incroyable. Bon. Tout va bien pour l'instant. Je ne change pas d'arme, hein. C'est très bien comme ça. Donc, je vous rappelle qu'on a différents points. Apparemment, il y a un point rouge d'ailleurs en parlant de coin ici. Il resterait quelqu'un. Là-haut. Apparemment, je suis dessus. Il y a quelqu'un que j'ai pas tué. Oh. Si pourtant, il me semble avoir fait le ménage. Ah bah non. J'allais l'oublier celui-ci. C'est vrai qu'il peut passer au-dessus. Regarde. Il était bien planqué le saligo. Pardon. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je commence à vouloir tirer sur mes alliés. Va savoir. C'est à la mode. Bon, il faut éviter quand même. C'est pas très joujou. Ok, là-haut. Allez. En face, vous le voyez pas ou comment ça se passe? Il y a une MG. Vous êtes incroyable d'incompétence. Mais aïe. D'accord. Les gars, vous êtes bien gentils. Mais moi je rentre. Ok, grenade. Vite. On envoie la sauce. Ils sont là-haut, on se dépêche, on rentre. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Pas avec moi toi non plus, non. Ah vache. Wouah. La grenade qui est la bienvenue. Je me tire. C'est chaud. Je suis mort. Ah, j'y suis trop à les frontales. C'est un nid de boches. Hallucinant. On retente. Ah, c'est un nid de boches le bordel. N'importe quoi. Ah, par contre, c'est pas ici. Hein. Voilà, là on redescend. Ah, je suis allé vraiment trop frontal. J'ai voulu jouer le bourrinos total.
c'est pas la meilleure idée du monde. Hé, hey, que tu fais toi? On essaie de bien viser quand même, gros. Allez, on va retenter notre chance du coup. On sait que ça arrive là-bas. Ouais, ouais, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Ah oui, c'est vrai que lancer des grenades dans les fenêtres sera peut-être une bonne idée. Effectivement. Il y a trop de monde là-haut. Trop de monde. Il faut y aller juste un peu plus lentement, quoi. Faut les faire sortir. Waouh, 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 waouh. What? What? Ah ouais, ouais, mais faut y aller en douceur là maintenant. Oh la vache, ils sont tous là. C'est ouf. Eh oh, captez-vous! Hallucinant! Allez! C'est hallucinant. Voilà, je pense qu'on peut rentrer maintenant. Même s'ils sont encore nombreux, je pense qu'on peut faire le taf. On va se planquer, tiens, un petit peu. Mais ils vont venir à moi! Tout seul comme des grands. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Putain, il y a rarement eu, depuis le début du jeu, des endroits aussi. Aussi chaud quoi. Des endroits aussi peuplés. Je monte, je monte. Oh, mais non, 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 ils sont. Mais c'est encore rempli, mais. J'hallucine. J'hallucine. Oh la vache. J'hallucine sincèrement quoi. C'est bon? Eh ouais mon pote. T'es décédé. L'hôtel de ville est à nous. Bradley, Jacobs, wow. Donnez la position pendant qu'on se dirige vers la poste. Regardez-moi ces sacs. C'est hallucinant quand même. Okay, donc allez, un objectif réussi, mais c'était tendu hein. Bon, on est mort une fois. Alors, on m'a dit qu'hier je suis mort, mais en fait non, je suis pas mort, c'est juste que. C'est juste que j'ai tué un prisonnier de guerre et donc sous nos alliés qu'il fallait tuer. Ok, attends. Une MG, je me fous des MG. Bon, par contre, je m'en fous pas parce que. Il arrive à me tirer dessus. Ouais, la MG. Oh, mais c'est incroyable aujourd'hui! Mais calmez-vous! Vous êtes excité! Allez. Ok, il est mort par terre. Ouais, il est mort. Bon. Faut y aller! Faut y aller! Il y a quelqu'un dans la fougère, il me semble, ouais. Cadeau! Bouge! Ça l'a fait bouger du coup. Bien, bien, bien. De quoi? Mais ils. Putain, ils sont dans les fougères. Ils m'énervent. Ils m'énervent. On recommence. Ok, bon, ça va. Bon, on va reprendre là. Je fais n'importe quoi, sans déconner. Je trouve le niveau beaucoup plus chaud. Ouais, je trouve le niveau quand même beaucoup plus dur que les autres habituellement. C'est assez foufou. En même temps, il y a beaucoup d'Allemands, quoi. Oh là là, mais ça arrive dans tous les sens, c'est monstrueux. Ouais, faut pas avancer trop vite hein, dans cette mission. Faut juste pas avancer trop vite. Regardez-le là-bas. Tu crois que je te vois pas, gros? Je n'ose même plus avancer, je te jure. Je n'ose même plus avancer tellement j'ai peur d'être surpris. Allez, let's go. Mais quoi? Mais attends. Ça va pas non? Je perds trop de vie rapidement là. La MG en haut, est-ce qu'on doit la voir par hasard? Non, je l'ai pas vu là. Attention la grenade! Ouais, je pense que j'ai un angle là. Ouais, ouais, j'ai un angle. Le problème c'est qu'il m'a repéré. Ah non! Là! C'est bon. Ok, ça vient de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il faut pour leur faire mal? Oh là là. Grenade! Je me tire! Là-haut! Je pense que j'étais dessus, mais je suis pas sûr. Si, j'en ai l'impression. Arrête de bouger, arrête de bouger.
Reste là, toi. En position de tir, il y a un fusil à son côté. Ok. C'est assez monstrueux, quand même. J'avoue. Là, on charge la position. Ouah, la position B. Mais c'est ouf, comme mission. C'est bon, il est avec moi. Là-haut. On se met à recharger. Grenade, attention les mecs. Ok, U, touché. Côté. Incroyable, mais vrai. Attention les gars. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller, les gars. On est pas trop mal là, on est pas trop mal. On rush. Mais tout de même avec, avec prévoyance, si je puis dire. Hop là. Bon appétit. Bon bah. Ils font très très mal. On s'en est sorti, la position B a été prise. Ouh! Aïe! Je me suis caché la cheville! C'était, encore une fois, incroyable! Maintenant, on va où? Position C? Est-ce qu'on peut le faire dans le désordre? J'ai l'impression qu'on peut. Ah, ok, c'est par là. Il y en a derrière aussi, les gars. Il y en a derrière! Aïe, aïe, aïe! Dans la maison! Quoi? Attends, je peux pas y aller? Tiens, par là. Ouah, mais attends! What the fuck? Merci les pierres tombales! Merci beaucoup! Merci le cimetière! J'ai vu quelqu'un. Je lance dans la baraque, on sait jamais. Putain, j'ai bien fait. Je dis on sait jamais, mais. Moi je sais! Ok. La Sten toujours géniale. Je monte là-haut pour vérifier qu'il n'y ait plus personne. Je pense que c'est bon. Allez, maintenant, en plus qu'on a un petit point en hauteur. Hop là. On y va. Attends, apparemment, il me reste quelqu'un derrière. Attends, par là. T'es avec moi, toi, non? Ah non. Bah, tu es là. Est-ce que vous attendez? Voilà, c'est tout. Allez, maintenant, point C. Je parle pas du point G. Allons-y, la maison en face. Une grenade là-haut aussi. Bon, attends, il y a deux gars. À la limite, ce serait bien si on pouvait contourner, tu vois, par la gauche, là. Attends, je vais essayer. J'ai récupéré des grenades, super. Tu penses qu'on peut contourner par là? Ce serait classe. Ouais, on peut. Oh non, non. Pas de problème, pas de problème, non, j'ai. La petite greu qui fait du bien. Et voilà, c'est bon, bah, bon, gars, c'est bien, la position C, c'est pris. Bon, la maison là-haut. Il faut prendre cette église. Tirez sur cette rez-de-chaussée. J'ai pas eu le... Ah, il y a quelqu'un qui a eu le casque là par contre. Génial. Il est mort. C'est vrai qu'il est pas mort. L'église. La cloche. Quelle ambiance. Ça fait peur. Il me reste beaucoup de munitions ou pas? Pas des masses. Je suis obligé de prendre une MP40 si jamais. Oui, il y a un freeze. Oh lolo. Plaisir. Tire au pigeon. Attends, on s'en débarrasse de tout ça. Hein. Pas de quartier. Bon, en même temps, il n'y a jamais eu de quartier. Hein. Salaud, il a essayé de viser la maison. Il est mort. J'ai fait saigner. Oui. C'est bon. J'ai l'impression que ça arrête jamais, quoi. Sors de là, une petite tête. Il y est, c'est bon. J'ai bien envie d'y aller, moi. À côté de l'église?
pièce. Il était pas mort, je préfère assurer le coup. Laisse-moi recharger. Le mec il tire une balle, il recharge. Terrible. Oh, il avait perdu son casque. Il savait plus où il habitait. Est-ce qu'on peut avancer maintenant? Attends, je vais redescendre, j'ai pas envie de me casser une jambe en sautant d'ici. Je pense qu'on peut avancer là. On va essayer. Ça risque d'être la folie. Watatatata. Merci, guys. C'était assez chaud. Tranquille, il y a du monde là-bas aussi à gauche. Il y en a partout, les gars. Hein. Il y en a partout, dedans, à l'extérieur, non? Grenade! Ouais, j'ai du monde à... qui me tire de la droite. Oh! Passe de moi. Allez. La situation est sous contrôle. Il ne reste plus qu'une position à prendre. Crédit lyonnais. Crédit lyonnette. Énorme. Allez, allons-y. On passe par là? On peut. Cette ambiance, quoi. Il est mort? Ouais. Attention! Oh lolo lolo lolo. Allez, capitaine! En avant! En avant, marche! Mon arbre, mon précieux. Attention à la grenade! Non, on va contourner quand même. Est-ce qu'on peut contourner par là? Ce qu'il y a de bien dans le jeu, vraiment, c'est qu'il n'y a pas dehors limite, tu peux quand même faire un petit peu ce que tu veux, hein. Bon, par contre, ouais, c'est dangereux de faire ça. Bien joué. Pas mal, ça, hein. C'est pas mal, là. Coucou. Ouais, ils vont finir par me voir, attention. J'ai l'impression que je passe un petit peu à l'as, quand même. Hein. Je pense pas à moi, les gars. Sauf l'endroit là, tranquille. Pépouze. Comme un intrus. Bonjour. M'incruste, les gars. Vous voulez pas? Oula, je me tire quand même. Oh merde. En fait, ouais, je suis en plein dedans, quoi. Peut-être que je lui ai mis celui-là. Ouais, attends. Je pense qu'ils sont pas d'accord que je les envahisse. J'ai pas mal de munitions, faut que je prenne une MP. Ouais, pas mal le choix. Donne-moi ça, c'est pas grave. Je prends la MP40. Pas trop le choix. Hein. Pas trop le choix parce que pas assez de munitions. Ok, même pas besoin de viser. C'est pas une autre arme pour moi. Tiens, on va prendre ça plutôt. Salut. C'est bien joué, ça. Chef de section, mettez vos hommes en position défensive et rassemblez armes et munitions. Il faut nettoyer cette ville. Venom de Dieu. Et ben voilà, victoire. L'histoire me sera indulgente car j'ai l'intention de l'écrire. Winston Churchill. 14 juin 44, 9h. Amaï sur Seuil, France, couvert, 19 degrés. Amaï, ça me rappelle toujours le donateur fou sur Twitch, pour ceux qui connaissent. La 7e blindée a pris une raclée hier. Le tigre rencontré à Saint-Louis nous a pris en embuscade, juste à l'est, de Villers-Bocage. En moins de 10 minutes, notre convoi a été réduit en miettes. 20 véhicules en tout, nous n'avons rien pu faire d'autre que de regarder nos chars tirer sur le tigre sans résultat, avant d'être eux-mêmes détruits. Nous avons reçu l'ordre de nous replier sur Comont, en formation de défense, quand devra attendre. Sergent John Davis, 7e division blindée. À couvert, dans la grange, vite, vite, avec moi. Et c'est parti. Donc on a toujours cette arme effectivement qu'on avait juste avant. Perfecto. Attention, ça pète zoom. Hein.
Au pire, bon, tu vas déjà où il y a des trous, comme ça tu es sûr que ça va pas répéter au même endroit, c'est comme la poudre. Oui, c'est moi qui viens d'inventer cette théorie. Je pense pas que c'est vrai. Bien joué. Oh tiens, ils sont prenés ça. Attends. J'ai vu une arme là. Tiens, je vais prendre ça plutôt. Petit changement. Une petite brenne, mesdames, messieurs. Allez, ça fait pas de mal par là où ça passe, moi je te le dis. Bah oui. Bon, forcément, c'est une arme lourde, hein, mais. Mais c'est sympa. Attendez, les gars. Il faut trouver et détruire ces mortiers. McGregor, allez m'ouvrir la porte de cette grange. Et toujours le Leonfield à part ça. Ça va faire mal avec la brenne. Ah ouais. Voilà, voilà. Et par contre, là. C'est assez ouf. Qu'est-ce qu'il peut l'avoir de là? J'hésite à tirer, j'hésite à avancer, j'hésite à faire quoi que ce soit. Montrez-vous! Bande de chacals! Bande de chacos! Un chacal des chacos, bah non. Attends. Dégage. Ah oui, c'est à l'époque qu'on pouvait encore pas courir dans les jeux. Y'a personne ou comment ça se passe? Personne ne surveille les entrées? Ah, y'a personne. Étonnant ça. Très très étonnant. Je peux sauter? Bien sûr que oui. Ah, la brenne par contre, c'est vrai qu'elle est. Elle est assez énorme. Imposante. Attends, je pouvais pas passer au-dessus. Ah, je veux bien. Ok, je lui monte par là. Pas de problème, je rentre. Pourquoi? Pourquoi c'est tout ça? Ouais, attends un peu. Attends un peu. Répétez. Oui. Grenade. Je suis tellement lourd avec une arme comme celle-ci en plus. Je me déplace moins vite. C'est bon, t'es là eu. Ouattata. Je vais y mourir là par contre. Hein. C'est assez dingo. Allez, on avance. Wow, tout en face. Ouf. Grenade. À couvert. Ok, si on vise la tête, c'est encore mieux. On charge la brenne là par contre. Ouah! Oh la vache! Attention! Restez groupir! Et restez baissir! Ah tata! Faut pas tuer le mec justement? Attends. Non, d'accord. C'est un peu compliqué. Dégage, dégage, dégage. Tue, tue. Contre toi. Bien. C'est bien, les gars. J'attends. C'est un truc de psychopathe. Allez, go. What the tata. Non! C'est quoi qui m'a fini? J'ai pas vu ce qui m'a terminé. Ça c'est con. Oh, mais non, tu veux? Mais oh! Ils sont fous! On va peut-être changer d'arme. Ouais, peut-être que je prenne une autre arme automatique. Facilement que ce serait plus efficace. J'en sais rien, mais en même temps non, en automatique... Bon allez, je vais prendre ça parce que j'ai l'impression que je m'en sors pas avec la grosse. Tellement balourd. J'ai sûrement plus l'habitude des armes rapides, je pense.
Bon les gars, faut me suivre hein, par contre hein. Non, on n'y arrivera pas. J'ai vu un par là. Ah, il y en a partout, ok. Ouais, bien joué là, bien joué. Lance les grenades. Ça les fait sauter. Bon, ça te fonce. Il va y en avoir là-haut, attention. Non, personne par là. D'accord. Où tout au combien me foncer dessus? T'es malade? Ok, à l'étage. Derrière moi, saute. Ça va arriver, Anti. Ça va arriver. T'es avec moi. C'est la fête du slip. Oh aïe aïe. C'est oufissime. Ah, attends, je passe par derrière, je vais me les faire. Silence. Dommage qu'on puisse pas prendre les tanks, ça aurait été bien. Il n'y a pas un qui est rentré? Non, je suis complètement fou. On a sur le coup. On a capturé le QG, c'est bon. Bon travail. Bon, en route, on doit prendre le QG de campagne au nord. Ok. Il en reste un par là apparemment, hein. Il y a un point rouge. Il a dû tirer il y a pas longtemps, mais je pense qu'ils l'ont terminé. Ouais, je pense. Eh, c'est chaud, sérieux, hein. C'est vrai que j'ai l'impression que tu meurs beaucoup plus vite qu'au début, hein. Ça n'a absolument rien à voir. Allez, toujours avec la MP40, que finalement, va plutôt bien. Hein. On s'en contente. Au nord, ils savent qu'on est là, les gars. Retranchez-vous et mais j'aime bien la Bren aussi, mais... Le problème, c'est que j'ai pas l'habitude de l'utiliser, il faudrait vraiment que je prenne l'habitude. Une MG ou ça? Où ça, une MG? Attends, je me tire, on sait jamais. Je prends pas de risque, gros. Attends, je change d'arme. Je l'ai eu, je crois bien. Hein. Là aussi, je l'ai eu. Les arbres, il la renvoie. Salaud. Attends, je fonce. Ils sont à découvert, bah tant mieux. Effectivement là-bas. Waouh. Ouais, tu es le. Attention. Ça fait mal. Allez, passe au-dessus. Il en reste qu'on a pas tué là-bas, regarde. On va carrément contourner par ici, vous pouvez sur côté. Personne dans la maison. Ça fait peur, putain. Prévenez les gars, j'en sais rien. Ah, j'ai plus de munitions. Attends, tu sais quoi, on va envoyer une fumée. Envoyer une petite fumée, on va y aller en fonçant. Encore une fois, c'est qui tout double. Mais c'est juste énorme. Vous êtes prêts? C'est parti. Je pense que ça va être... Non, c'est bien. C'est bien. Oulala. Attention, grenade. Oh, bien rushé. On a super bien rushé. Pas de problème au sein. Et bah voilà. Regroupez-vous les gars. Par ici, sur ma position, allez. King 6 à Easy 6, on a pris notre objectif, à vous. Bien reçu King 6, d'autres patrouilles ennemies ont été repérées en approche de votre secteur. Défendez notre flanc contre les contre-attaques. Vous devez gagner assez de temps pour que la division puisse aller en lieu sûr. Terminé. Vous avez entendu les gars? En position défensive dans la ferme. Allez! C'est d'accord. Ils vont s'amener par le sud. 3-30. Trouvez une bonne position et tenez-vous prêts. Ah, moi j'ai une MG, écoute hein. Je suis bien là. Oula.
Il faut tenir donc 3 minutes 30, si je comprends bien. Oh là là, par contre, ouais, faudra faire attention. La grenade, j'ai pas envie de me la prendre. 999. Ok. Montrez-vous, bande de chiens! Évidemment, ils mettent la fumée. Évidemment. Fallait essayer d'attendre. Évidemment. Allez, ce qui est très bien, c'est que les autres ils me couvrent sur les côtés là. Que. Ah, le problème, c'est que voilà, j'en ai qui arrivent là, c'est chiant. Les gars, je sais pas quoi. Je suis mort. Rentre vite. Je peux pas rentrer, putain, ça marche pas. Ça déconne, les gars, ça déconne, je peux plus rentrer. Ok, bon. Ah, bah si, je peux rentrer. Non, c'est moi qui arrivais pas, c'est tout. Ça remonte une cloche, quoi. Tomber. Ouais, mais je rentre, les gars, moi j'ai pas le choix, hein. On va se calfeutrer dedans, hein. Wesh. Qu'est-ce que tu veux que je reste dehors, moi? Putain. Je peux pas prendre la MG, je suis complètement à découvert. Ouais, c'est trop tard, de toute façon, là maintenant on est ouais, on est vraiment trop repéré. C'est quoi? Vous avez explosé, les mecs. On envoie un max de grenades. De toute façon, le but c'est juste de tenir, de rester vivant. Donc, OZEF. Tant qu'on les tue tous là. Pas d'angoisse. Putain, y'en a combien qui vont arriver? C'est monstrueux quand même. C'est méga monstrueux. Ouais, c'est vrai qu'on a également. Putain, on avait d'autres MG, je suis complètement débile. On a eu deux. Barrez-vous! Ah, attends, tiens. Je crois que c'est le moment de prendre la bonne. C'est le moment. Bon. Non. Oh putain! Mais c'est ouf! Dès que tu sors, tu te fais exploser. S'il vous plaît, quoi. Oh non, 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 non. Regarde-moi ça. La folie. Un homme à terre, mais on s'en fout. Grenade. Émenez le char, non, t'es sérieux? Faut éliminer le char, bah comment on va faire, gros? D'accord, par la gauche. Je t'écoute, hein. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens. Ah voilà, il y a plein de gens qui sont là, quoi. Oh là là, mais c'est l'enfer. Éliminer le char tigre. Là, je suis content de l'avoir, par contre, je t'avoue. Oui, de l'aide, s'il te plaît. Je suis content d'avoir la bonne. C'est vrai qu'en puissance de feu, c'est énorme. Oh. J'ai les explosifs de base, donc. Alors, essaye de contourner, gros. Contourne. On va par ici, je pense. Derrière moi. Fils de pute. Pardon. Ah, il était honnête, celui-là. Faut recharger, j'ai plus qu'une munition dans le chargeur. J'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Oh. Ben oui, mais comment tu veux que j'aille jusqu'au char, vieux? Il me voit pas, le char, lui? Allez, on... Non! Tente le coup. Attention, mesdames, messieurs, on y est presque. Oh, mais si, c'est que je suis là! Je vais recharger.
c'est monstrueux. Let's go. Fais le péter ce putain de char. Allez, go. On se tire. Non. Revenez quand vous voulez, ordure de base. On vous attend. Oh là. Ah, ça va mieux. La Brenne, mais quelle arme, mesdames, messieurs. Quelle arme incroyable. Allez, ça c'est fait. C'était incroyable. Ah, c'est vrai que j'ai récupéré une K98, j'aurais pu utiliser plus. Je l'aime beaucoup. Aïe, quelle mission. Très bon travail, messieurs. La 7ème division blindée a pu se sortir de ce guépier grâce à nos efforts sur ce flanc. Bon, c'est terminé ici. C'est bon, on dégage. Eh ben dis donc, félicitations, la campagne britannique est achevée. C'était énorme, c'était beaucoup plus dur je trouve. Mais en même temps, c'est la fin de la campagne, c'est normal. Mesdames, messieurs, la prochaine fois, ce sera le jour J. Début de la campagne américaine. On se dit donc à très bientôt pour la suite de l'aventure. N'hésitez pas en tout cas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite de la série. A très bientôt, c'était Galax. Ciao.